Eh bien salut tout le monde, ça c'est Excel, j'espère que vous êtes tous très bien, pour ma part ça va nickel. Donc voilà, je suis de retour, je suis présent sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Ça faisait genre 10-11 mois que j'avais pas fait de vidéo, mais voilà, j'étais pas motivé. Maintenant je reviens en force les gars. On va commencer tout de suite avec l'épisode 2 de ma nouvelle série d'achat-revente sur Futez. Donc voilà, on va commencer avec un MyGeddy chopé en Tech 59. Donc la Tech 59 c'est vous chopez votre joueur dans la 59e minute, vous spammez, vous spammez. Donc voilà. Et là, vous pouvez voir que j'en avais déjà chopé un juste avant de la vidéo, l'enregistrement, qui s'était vendu. Donc voilà, MyGeddy, le deuxième, s'est vendu. Donc là, on va passer tout de suite à une deuxième technique. Donc c'est la technique pupute. Donc la tech pupute, c'est quoi? C'est vous achetez un joueur régulier et vous le mettez au prix du up. Donc là, en l'occurrence, j'ai acheté Lukaku à 1500, le 80. Et le 82 coûte entre 6500 et 6700 pendant la vidéo, au moment où je vous parle. Donc j'ai fait pareil avec Kane, que j'ai chopé à 1500, qu'on va remettre à 5600 crédits. Et j'ai fait la même chose aussi avec Dimitri Payet, acheté 3000 crédits. Et franchement les gars, cette technique là, elle est longue mais efficace. Si vous avez un compte en parallèle avec des crédits, moi je vous conseille de faire cette technique là. Vous relancez toutes les heures, toutes les heures, toutes les heures, et au bout d'un moment, les joueurs vont se vendre. Donc n'hésitez pas à relancer à chaque fois. Et puis au bout d'un moment, il va bien avoir un pigeon qui va acheter votre joueur sans faire attention, l'acheter bêtement. Donc ça se passe vraiment dans les dernières minutes. Mais la personne, quand elle a acheté ce joueur, elle est un peu dégoûtée. Donc voilà, en l'occurrence là, on peut voir que les 5 joueurs, enfin les 3 joueurs se sont vendus. On a vendu Lukaku, Payet et Kane au prix que j'avais mis. Donc là, voilà, là c'est vraiment un bon bénéfice qu'on a fait sur ces 3 cartes. On est déjà à 21 451 crédits. On était à 6700 crédits, il me semble. Donc ça fait vraiment un bon bénéfice durant cet épisode. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser sur ces images. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, bye tout le monde.